Soit les circonstances, il
faut servir Dieu. Bonjour chers amis téléspectateurs, je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, parce que je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse partager. C'est, on appelle ça la bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Dans ce monde actuel, il y a tellement de mauvaises nouvelles. Même quand on allume la télévision, il n'y a que ça. Une bombe a explosé en Ukraine, un tel est mort, il n'y a que des injustices. Des nouvelles dramatiques, bien sûr. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet particulier. Croyez en vous et croyez en Dieu. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Croyez en moi et croyez en Dieu. Quand j'ai dit croyez en vous, cela ne veut pas dire que vous devez vous appuyer sur votre chair. Vous devez vous appuyer sur Christ qui est en vous. Croyez en Dieu. Croyez qu'il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu qui vous a créé. Un Dieu qui a un plan pour votre vie. Et croyez en ce Dieu. Croyez en Dieu, ça veut dire que je crois à l'amour de Dieu. Je crois que Dieu qui est bon ne peut pas créer un homme, elle est destinée à la misère, vous voyez. Et Dieu qui est bon ne peut pas placer un homme sur terre pour qu'il puisse souffrir et végéter. Moi, je crois à l'amour de Dieu pour tout homme. Quelle que soit la couleur de ta race, quelle que soit ta famille, quelles que soient tes erreurs. Les erreurs, je peux vous dire, nous tous, nous en avons commises, les erreurs. La méchanceté, nous tous, un moment de notre vie, nous l'avons manifestée. Parfois, on ne se rappelle pas. Parfois, on s'en rappelle et on les regrette. Et parfois, on l'a été même sans le savoir. On a blessé des gens, on a déçu des gens, on a trop parlé, on a parlé mal des gens. La méchanceté, croyez-moi, la Bible dit clairement, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Nous sommes gratuitement justifiés au moyen de la grâce. Cette grâce qui se trouve en Christ Jésus. Voyez, j'étais en train de lire quelques passages, tous les passages qui parlent de Jésus-Christ dans le Coran. Ça vous fait bizarre, hein? Mais je suis un chercheur. Je suis un chercheur. Le Coran admet que tous les hommes ont péché. Moïse, Abraham, le prophète Mahomet, le Coran clair admet que tous les hommes ont péché. Mais, fait marquant et choquant, le Coran admet que Jésus est né sans péché. Le Coran admet, comme la Bible, que Jésus n'a pas eu de père de sang. Donc, il est né sans péché original. C'est fantastique. Tous les hommes, Abraham, Moïse, tous les hommes qui sont nés sur terre ont péché. Mais le Coran admet que Jésus est né sans le péché originel d'Adam. Il est né sans rapport sexuel. C'est le seul être humain que la Bible et le Coran reconnaissent qui est né sans rapport sexuel. Le Coran reconnaît que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu.
Les autres sont des prophètes. Hein? Les autres, de Moïse, Abraham, tout le monde est appelé prophète. Mais le Coran reconnaît que Jésus, il n'est pas que prophète, mais il est le Verbe de Dieu. Il est un esprit. Il est l'esprit que Dieu a mis dans le ventre de Marie. Je vous dis littéralement ce que reconnaît le Coran. Et le Coran reconnaît que c'est seulement Jésus, pas Mahomet, pas Moïse, pas Abraham. Reconnaît que c'est Jésus qui reviendra avant le pour le jugement final. C'est Jésus, le prophète, qui reviendra pour le jugement final. Alors, qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Il ne peut pas être qu'un simple être humain. Qui est ce Jésus qui est appelé le Verbe de Dieu, c'est-à-dire l'expression de Dieu? Qui est ce Jésus qui est un esprit qui est entré dans le ventre de Marie? Qui est ce Jésus, cet être humain qui est le seul être humain qui est né sans le péché d'Adam, sans rapport sexuel? Qui est ce Jésus? Eh bien, il est Dieu. Et je connais un musulman qui s'est converti. Je connais un musulman qui s'est converti en lisant le Coran. La seule femme dont le nom est écrit dans le Coran, c'est Myriam, la mère de Jésus. La seule femme dont le nom est écrit dans le Coran, c'est Myriam, la mère de Jésus. Quel est cet homme que Jésus? Il est magnifique. Donc, il est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire l'expression de Dieu. D'ailleurs, le terme « fils de Dieu » est mal compris par beaucoup de gens. Les gens pensent « fils de Dieu », ça veut dire « enfant de Dieu ». Non. « Fils de Dieu » veut dire simplement le Verbe de Dieu, comme le dit le Coran. « Fils de Dieu » est une image symbolique qui veut dire « manifestation, expression de Dieu ». Le Fils est l'expression du Père. Il y a des fois qu'on regarde le fils, on dit « Ah, il ressemble à son père. Ah, il parle comme son père. » Comme on dit aussi dans le monde, « telle fille, telle mère, telle fille. » Donc, Dieu ne peut pas avoir des rapports sexuels pour avoir un enfant. Même dans le langage hébraïque, la terminologie « fils » indique pas obligatoirement une filiation, mais une appartenance à une race, une appartenance à une nature. Le fils d'un crocodile est un crocodile, le fils d'une poule est un poussin, le fils d'un aigle est un aiglon, le fils d'un lion est un lionçon, le fils de Dieu, c'est Dieu. Donc le terme fils de Dieu veut signifier seulement la nature divine, sa divinité. Et le terme « fils de l'homme » veut désigner aussi son humanité. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ce n'est pas de ça. La vidéo est en attente de visionner sur YouTube. C'est bizarre parce que moi je suis la vidéo ici, hein. Vous voyez, faites attention quand vous m'écrivez des choses parce que ça peut me perturber. Hein? Quand tu écris que la vidéo est en attente des visionnages, je vous dis que vous êtes en train de me perturber. Il n'est pas en attente des visionnages, il est en train de passer. Ah, vous voyez, donc il faut pas écrire n'importe quoi quand vous écrivez des choses. Soyez-en sûr parce que vous êtes simplement après en train de me perturber et je dois vérifier les choses, donc c'est pas bon. Soyez-en sûr quand vous écrivez quelque chose. Alléluia. Ah, bonjour Florence Gorgi. J'espère te voir ce dimanche, Florence. Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit ce dimanche et je viens venir manger africain chez toi. Il faut que tu me cuisines quelque chose de bon.
Alors, on va lire, hein, croyez en Dieu et croyez en vous. Moi, je crois en vous. Et voyez, pourquoi je dis cela? Parce que dans ce monde, vous aurez beaucoup de gens qui ne vont pas croire en vous. Le frère de Joseph, ne croyez pas en Joseph. Ne croyez pas en Joseph. Et même son père, qui était prophète, ne croyez pas à son fils. Et c'est choquant, hein? Je pense que ça peut vous choquer. Même son père, qui était un prophète, il ne croyait pas en son fils. Lorsque Joseph a dit, « Papa, j'ai rêvé, j'ai vu les étoiles s'agenouiller devant moi, le soleil et la lune s'agenouiller devant moi. » Et son père l'a grondé, il a dit, « Qu'est-ce que tu penses? Tu t'imagines que moi et ta mère et tes frères, on va s'agenouiller devant toi ?» Même son père, qui était un prophète de Dieu, qui a lutté avec les hommes et les anges, et qui a été vainqueur, qui a vu Dieu face à face, ne croyez pas en lui. Voyez, si vous attendez à ce que les gens croient en vous, croient à vos projets, vous serez déçus. Et je connais beaucoup de chrétiens même qui souffrent, et parce que les gens ne croient pas en eux, parce que les gens ne croient pas à leur ministère, parce que les gens ne croient pas à leur capacité. L'être humain est comme ça, mais quand il s'agit du mal, les gens croient. Quand on dit du mal de toi, des fois les gens croient sans preuve. Quand on dit quelque chose de négatif sur toi, les gens croient. L'être humain aime croire le mal. Il aime croire le mal. Des fois, il n'a même pas besoin de preuves pour croire le mal. Il va même le répéter. Mais quand c'est quelque chose de bon et de positif, ils ont du mal à le croire. Ils veulent de preuves. Il faut les enquêter. Oh my God. Alors, j'aimerais bien préciser quand je dis croyez en vous, c'est-à-dire croyez à votre destinée. Regardez-moi en face. Dieu a une destinée de paix, de prospérité et de victoire pour toi. Parce qu'il est un Dieu bon. J'aimerais que tu puisses saisir cela aujourd'hui. Que tu prennes ça comme un axiome. Que tu prennes ça comme un départ. Dieu même, il a un plan de paix, de victoire pour moi. Vous ne pourrez pas me dire que Dieu est bon quand il y a des hommes qui sont condamnés à être malheureux toute leur vie. Vous voyez, des fois, les gens naissent avec des malformations, avec des handicaps. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est le diable qui vient détruire. Il est un voleur. Il est un destructeur. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, « Bishop, j'en veux à Dieu. J'en veux à Dieu parce que mon fils est parti très tôt. Dieu a pris mon fils dans un accident. » Et la dame était fâchée. Elle m'a dit, « Bishop Elie, j'en veux à Dieu parce qu'il a pris mon fils. » J'ai dit, « Mais qui vous a dit que Dieu a pris ton fils? Qui t'a dit ça? Qui t'a fait croire que c'est Dieu qui a pris ton fils? » C'est le diable qui est un menteur, un égorgeur. Il vient pour tuer, égorger et détruire. C'est le diable qui a détruit, c'est pas Dieu. Il faut en vouloir au diable, pas à Dieu. C'est pas Dieu. Il y a plein de choses, plein de malheurs qui nous arrivent, plein d'échecs, plein de misères. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu vous veut heureux. Dieu veut que vous soyez rassasiés de longs jours. Jésus à la croix, il a pris toutes tes maladies. Jésus à la croix a pris toutes tes maladies. Même quand les hommes disent c'est impossible, et moi je peux vous dire, Dieu, Jésus-Christ t'a guéri à la croix de Golgotha. Oh, ce matin j'ai eu un rhéma tellement puissant. J'ai eu un rhéma
tellement puissant. Je ne sais pas si je dois vous le dire. Ce matin, j'ai eu un remarque. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un pasteur ou un apôtre, sur YouTube, sur Internet ou même en direct, décortiquer ça. Des fois, le Saint-Esprit me montre des choses qui me dépassent. Samson à la croix était l'image de Christ et d'Israël. Vous voyez, Samson à la croix était l'image du Christ et d'Israël. Israël était l'image des nations. Vous voyez, Samson, vous me direz, mais Samson n'était pas à la croix. Ah oui, mais Samson était aveugle. Il avait les deux yeux aveuglés. Et les Philistins représentaient le royaume de Satan, les princes des ténèbres. C'était l'image de la croix. Alors les Philistins étaient en train de célébrer leur Dieu et ils ont demandé à Samson de venir, là il était aveugle, pour les ridiculiser. Et Samson, ils l'ont posé devant deux poteaux. Et les deux poteaux qui soutenaient tout le temple. Ils voulaient livrer Samson en spectacle. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul utilise le terme spectacle. C'est une allégorie. On appelle ça allégorie. L'apôtre Paul sûrement faisait allusion à Samson. Christ a livré les puissances des ténèbres en spectacle, en triomphant de par la croix. Christ a livré les puissances des ténèbres en spectacle, en triomphant de par la croix. C'est l'image de Samson, Christ. Alors, les princes des Philistins étaient l'image allégorique de puissance des ténèbres. Les princes de ce monde. Alors, ils voulaient assister à un spectacle. Alors, ils voulaient livrer Samson en spectacle. Mais ils ont commis une erreur fatale. Oh my God, ils ont commis une erreur. Vous savez, le diable fait toujours une erreur. Ne t'inquiète pas. Le diable fait toujours une bêtise. Il est malin. Il est malin. Ça veut dire il est ingénieux au mal, mais il fait toujours une erreur fatale. Les gens qui sont méchants, comme on dit, j'ai toujours dit, la méchanceté rend bête. La méchanceté rend les gens bêtes. Les gens qui sont jaloux de toi et qui veulent voir ta chute, ils deviennent tellement bêtes, obsédés par leur méchanceté, qu'ils commettent des erreurs irréparables. Ils ont commis l'erreur de mettre Samson devant deux poteaux. Voyez. Et Samson a tenu ces deux poteaux. Il y avait un enfant qui conduisait Samson. Et Samson a demandé à ce garçon, laisse-moi me reposer autour d'un poteau. Et le garçon l'a déposé sur ces deux poteaux. Et Samson a prié Dieu. Voyez. Il a dit, je veux mourir avec les Philistins. Seigneur, donne-moi l'occasion, une dernière occasion de me venger de mes ennemis. C'est l'image de Christ qui a donné sa vie pour nous libérer. Et Samson a poussé les deux poteaux, vous voyez, il a fait le signe de la croix. Il était comme Jésus à la croix. Donc, c'est en cela, dans cette allégorie que nous voyons, Samson était un type de Christ. Mais maintenant, Israël, maintenant, qui a été libéré par Samson, dans cette allégorie est l'image de nous, le monde, nous, les nations. Nous avons été libérés grâce à Christ. Et en même temps, Samson, qui est l'image de Christ, il était aussi l'image d'Israël, l'épouse de Dieu. Vous voyez que l'homme et la femme font une seule chair. Les deux feront une seule chair, n'est-ce pas? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Donc à la croix, Samson faisait une seule chair avec
Il représentait Christ qui faisait une seule chair avec son épouse qui est Israël. Vous allez me dire, mais Bishop Eli, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais aller dans une profondeur que, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu sur terre. Ça m'étonnerait. Parce que c'est l'évangile que moi je vous prêche, ça vient du ciel. Le Seigneur, dans sa grâce, me montre des choses que, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part en Afrique qui a reçu la même révélation, mais à ma connaissance, non, ce n'est pas la chair et le sang qui me l'ont révélé. Donc, Samson, la preuve que Samson, dans cette allégorie, était aussi l'image de Christ, l'image d'Israël. C'est la raison pour laquelle Samson a été aveuglé. C'est la raison pour laquelle Samson a été aveuglé. C'est pour cela qu'on a détruit les yeux de Samson. Il ne voyait rien. Pour que Samson aille jusqu'à la croix, pour que Samson soit placé là où il était, il devait être aveuglé. Il ne voyait rien. Et c'est l'image d'Israël qui a été aveuglé afin que le salut vienne vers nous. Quand vous lisez dans Romains, la Bible dit que Dieu a aveuglé Israël. Israël a été aveuglé, il n'a pas vu, il n'a pas reconnu Dieu. Il n'a pas reconnu le Messie jusqu'aujourd'hui parce qu'il a été aveuglé afin que le salut passe d'Israël et aille vers les nations. Donc Samson a été aveuglé. C'est la raison pour laquelle Samson aveugle, c'est l'image d'Israël qui a été aveuglé. Et par cet aveuglement, le salut est venu vers nous. Oh, ce matin, quand le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer tout ça, je dis beau. Des fois, je m'assois, je me dis, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu me révèles des choses aussi profondes, quoi? Des choses aussi profondes parce que je peux vous dire, ça fait 55 ans que je suis dans l'évangile, je n'ai jamais vu un être humain décortiquer ça comme ça. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun apôtre humainement a pu décortiquer ce mystère, cette allégorie des Samson. Samson à la croix. Bon. C'est pas de cela que nous sommes. Nous parlerons aujourd'hui. C'est pas de cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quelque chose encore. Là, c'était qu'une parenthèse, mais j'aimerais vous dire, croyez en Dieu et croyez en Christ. Croyez en vous. Croyez en Christ en vous. Croyez en l'amour de Dieu pour vous. Croyez au plan de Dieu pour vous. Et ce que Dieu vous a dit s'accomplira, que les gens le veulent ou pas. Vous voyez, les gens n'ont pas crié à Joseph, ils ont fait tous les sales coups. Joseph avec qui le vent contraire, on appelle ça les vents contraires. Je pouvais dire pour une fille là, pour ma fille, que j'appelle mon petit ange. Et je lui ai dit, ce que Dieu a promis pour toi s'accomplira. Même si les événements sont contraires, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le plan de Dieu pour toi s'accomplira. Voyez. Mais Dieu a promis à Joseph qu'il sera prince. Sûrement Joseph s'imaginait se retrouver dans une école militaire en train d'apprendre l'art des guerres, où il s'imaginait être muté dans une école administrative ou de lettres. Et c'est là où sont les princes, quoi. C'est là où sont les futurs princes. C'est comme si on vous dit que vous serez président, vous allez vous imaginer que votre père va vous envoyer en Polytechnique ou à l'ENA apprendre. Mais non, c'était pas ça. Joseph s'est retrouvé en prison. Joseph s'est retrouvé dans des conditions minables, dans la trahison, dans l'ingratitude. Il a sauvé quelqu'un, il a profité pour quelqu'un en prison, et la personne l'a oublié. La personne l'a oublié, je vous dis.
Joseph, il est en prison et il voit deux personnes qui ont deux songes. Il dit à l'autre, toi, tu mourras. Il dit à l'autre, toi, tu seras rétabli au service de Pharaon. Mais quand tu seras rétabli au service de Pharaon, rappelle-toi de moi, rappelle-toi de moi. Parle au Pharaon à ma faveur. Mais le gars a été rétabli. Il a commencé à servir à la table de Pharaon. Il a oublié Joseph. N'avez-vous pas le sentiment que quelqu'un vous a oublié? N'avez-vous pas ce sentiment ou l'impression que il y a quelqu'un qui t'a oublié, quelqu'un qui a oublié ce que tu as fait pour lui, quelqu'un a été ingrat envers toi? Oh, vous savez, les hommes sont ingrats. Mais j'aimerais te consoler. Tu n'es pas le seul à subir l'ingratitude des êtres humains. Même Joseph avait subi l'ingratitude. Jésus-Christ à la croix, hein, il a guéri des malades, il a nourri des foules, il a nourri plus de 5000 hommes. Et quand on dit 5000 hommes, on compte leurs femmes. Alors les hommes en Israël avaient une ou deux ou trois ou quatre femmes. Les hommes en Israël étaient polygamiques. Ils avaient une ou deux, trois, quatre femmes, sans compter les enfants. Donc, dans le désert, ils devaient avoir au moins 20 000 personnes. Mais pendant que on devait voter qui devait être libéré et qui crucifié, tous ces gens-là, tous ces paralytiques qui ont été guéris, tous ces gens, ils ont dit libérer Barnabas et crucifier Jésus. Quelle ingratitude! Ne t'en fais pas. Il faut dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, c'est un petit ingrat, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il ne sait pas qui il méprise. Écoutez, un jour il va se rappeler de toi, t'inquiète pas, un jour elle va se rappeler de toi, t'inquiète pas, je sais de quoi je te parle, un jour il va se rappeler de toi. Vous voyez, le père de Joseph n'a pas reconnu Joseph et n'a pas cru au songe de Joseph. Ses frères l'ont trahi, mais un jour, ils se sont rappelés de Joseph. Ils ont eu faim. Ils se sont rappelés, ils ont oublié Joseph, mais un jour, Dieu a croisé leur chemin. Ils avaient faim, ils devaient manger dans les bras de Joseph. Et ceux qui te combattent, ceux qui te rejettent, un jour, ils vont se rappeler de toi. Et surtout, ne garde pas l'amertume. Tu es en train de tout gâcher, ma fille. Ne garde pas l'amertume. Ah, ou ne perds pas ton temps à pleurer. Ah, on ne me reconnaît pas. On ne reconnaît pas mes efforts. On ne reconnaît pas ce que je fais. On reconnaît... Oh là 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 là. Est-ce que Dieu t'appelle à pleurnicher comme ça, comme une minable, comme une médiocre, hein? Est-ce que Dieu t'appelle à ce ministère-là? Toi, une princesse, toi, un prince, Dieu t'appelle à adorer Jésus, Dieu t'appelle à louer, hein? Passe ton temps à louer Dieu. Passe ton temps à louer Jésus. Passe ton temps à lire la parole de Dieu. Comme dit David, les princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite ta parole. Les princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Psaume 119, verset 23. Les princes ont beau s'asseoir et comploter, parler contre moi. Mais moi, ton serviteur, je médite ta parole. Mais toi, tu es en train de compliquer, d'embrouiller le plan de Dieu. Tu remplis ton cœur d'amertume. Tu passes tout ton temps à pleurnicher, à pleurer. On ne reconnaît pas moi. On ne reconnaît pas. Parce que tu cherches trop la reconnaissance. Vous savez, quelqu'un qui est humble ne cherche pas la reconnaissance. Quelqu'un qui est humble ne pleure pas pour l'honneur, voyez. Comme Paul dit, même si on me reconnaît pas, c'est pas grave. L'essentiel est que Christ est annoncé. Et même s'ils me reconnaissent pas, mais il y en a qui prêchent Christ par rivalité ou par envie, mais c'est pas grave. L'essentiel est que Christ est annoncé. Hallelujah, hallelujah. Même s'ils te reconnaissent pas, même s'ils te méprisent, même s'ils sont ingrats, c'est pas grave. L'essentiel est que Jésus est annoncé. L'essentiel est que Dieu te garde en vie. Mais Dieu s'occupera d'eux. Un jour, ils vont se rappeler de toi. Vous voyez cet homme-là qui était ingrat?
Il a été rétabli dans sa fonction auprès des pharaons, mais un jour, il s'est rappelé de Joseph. Hein. Pharaon a eu un songe, personne n'a pu l'expliquer. Pharaon, dans sa colère, il a voulu couper la tête de tout le monde. Il a dit, mais tous ces magiciens-là, ils n'arrivent pas à expliquer mon songe. Il leur a dit d'abord, écoutez, si je vous dis le songe, vous allez me mentir. Pour savoir que vous avez la bonne explication, j'aimerais que vous puissiez me dire quel songe j'ai eu. Il les a piégés. Parce que les magiciens, c'est comme les marabouts aujourd'hui, ils sont des escrocs. Alors là, ils étaient coincés. Et quand le monsieur qui était près des pharaons, il a vu qu'on allait couper la tête des gens, et dont certains de ses amis, ou même son fils ou sa fille, qui jouaient à la voyante, il a dit, Pharaon, attends, Pharaon, attends, excuse, Pharaon. Attends un peu. Il y a quelqu'un là-bas en prison. Il y a quelqu'un là-bas en prison. Ah, Pharaon, excuse. Il tremblait, hein, mais il s'est vite rappelé. Il y a quelqu'un là en prison. On avait eu deux songes. Il m'a expliqué ce qui le songe et me voici. On peut l'appeler. Lui, il peut expliquer, lui. Lui, il a la connaissance. C'est comme ça que Daniel a été placé devant Pharaon. Vous savez, il y a des gens qui ne vous donnent pas de bons contacts. Malheureusement, ça arrive souvent. Il y a des gens qui ne veulent pas vous donner de bons contacts. Il y a des gens qui ne veulent pas vous donner de bonnes connexions. Ils ont une bonne connexion, mais ils ne veulent pas que toi tu sois connecté. Malheureusement, ils sont comme ça. Mais ne t'inquiète pas. Ta destinée ne dépend pas des gens. Il y a des gens qui ont le numéro de téléphone, le bon numéro que tu cherches, mais ils ne veulent pas te le donner par jalousie, par méchanceté. Vous savez, il y a des gens qui ont la mentalité de la pauvreté. C'est-à-dire qu'ils pensent que si toi tu montes, lui descend. Ils pensent que si toi tu es propre, lui devient sale. Il faut qu'il soit plus propre que toi. Tant que toi tu es plus propre que lui, il sent qu'il n'a pas réussi. S'il n'a pas plus d'argent que toi, il peut avoir beaucoup d'argent, mais s'il n'a pas plus d'argent que toi, il est malheureux. Ce sont ce genre de personnes, quand il te salit, il parle mal de toi, il se croit au-dessus de toi, mais non, salir quelqu'un d'autre te rendra pas plus propre. Quand tu es dans la boue, tu restes dans la boue. Tu peux attirer quelqu'un d'autre dans la boue, mais toi-même, tu as le pied toujours dans la boue. Ce n'est pas parce que tu rabaisses quelqu'un que tu montes. On appelle ça la médiocrité, la mentalité de la pauvreté. Il y a des gens qui pensent que quand il te rabaisse, il t'écrase, lui, il monte. Malheureusement, ce genre de mentalité, on le trouve beaucoup dans la tête des afros. De mes frères afros, hein. Je vous l'ai dit, moi, je suis un afro, je n'ai pas honte. Et je dis que l'Afrique va se développer quand cette mentalité va quitter. On n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. Quand ton frère afro réussit, tu as mal au cœur. Pourquoi? Mais quand c'est un métro qui réussit, tu trouves ça normal parce qu'eux, ils sont créés pour réussir. Mais quand ton propre frère afro réussit, ça te fait mal. Quand on met un policier métro chef, tu le respectes. Tu trouves normal qu'il soit le chef. Mais quand on prend ton propre frère, antillais ou afro, on le met chef dans la police, tu ne le respectes pas parce qu'il est ton frère. Mais qu'est-ce que c'est ça? On appelle ça la mentalité de la médiocrité. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, hein? Je vais pas aller hors sujet. On est là pour parler surtout. Croyez en vous et croyez en Dieu. Dieu a un plan de paix et de victoire, de prospérité pour toi. Apprends à remercier Dieu pour la réussite des autres. Et voilà, Joseph, finalement, il a vécu ce que Dieu avait prévu pour lui. Alors, nous allons parler d'Éhud. Éhud, un handicapé. Ah. Éhud, un handicapé. Et vous savez, nous sommes tous handicapés quelque part. Hein. Nous avons tous des handicaps. Vous savez, il y a des pays où être un noir, la couleur de ta peau est un handicap.
noir ou chinois, ou c'est comme un gypsy, on dit un gypsy. Un gypsy, hein, à Londres. Il y a un monsieur gypsy à Londres qui est devenu millionnaire, mais au début, il cachait ses origines. Il a caché qu'il était gypsy parce que ils sont tellement déconsidérés et dérespectés qu'il a caché ses origines. Et lorsqu'il a réussi, il a commencé à montrer son origine, mais il avait déjà réussi. Donc, il y a des pays où il faut même cacher son origine. Il faut pas dire, il faut cacher même sa race. Et sinon, tu ne réussis pas. Nous avons des handicaps dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas étudié. Ça peut être un handicap. Voyez, des fois, on fait une erreur. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais qui sont plus intelligents. Voyez, la connaissance n'est pas l'intelligence. Les études ne rendent pas nécessairement intelligent. Quelqu'un qui fait le droit, il est simplement en train de connaître beaucoup, il est en train de mémoriser des articles, mais ça ne les rend pas obligatoirement plus intelligents que quelqu'un qui n'a pas étudié. Il y a des gens qui ont un QI très élevé, ils n'ont pas étudié. On appelle ça des autodidactes. Il n'a pas étudié, il n'a pas de diplôme, mais il est plus intelligent que ceux qui ont étudié. Oui. Mais il y a des milieux où le fait que tu n'as pas eu la chance d'avoir des parents qui ont des moyens, le fait que tu n'as pas eu la chance de faire des grandes études ou d'avoir accès à une certaine université réputée, même quand tu as des compétences, on ne te considère pas. C'est surtout en France, hein. Surtout en France, il y a cette forme de féodalité, cette forme d'élitisme. Mais aux États-Unis, on juge les gens d'après leurs compétences. Aux États-Unis, on voit le maçon au pied du mur. On te juge d'après tes compétences. On ne regarde même pas la couleur de ta peau. C'est pour cela qu'on parle de rêve américain. Quand tu es aux États-Unis et que tu es capable, tu montres tes preuves, les portes te sont ouvertes. Mais ici en France, tu peux montrer tes preuves, mais parce que tu es un arabe ou tu es un noir ou tu es ceci, les portes ne s'ouvrent pas. Comme cela, vous allez voir beaucoup de jeunes qui rêvent de s'émanciper, qui rêvent d'avoir une ascension sociale, ils vont plutôt aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on vous juge d'après vos capacités. Et où était comme ça? Juge chapitre 3, à partir du verset 4. On va lire Juge chapitre 3, à partir du verset 4. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. 18 ans. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. Éhud se fit une pieux à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab, où Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoyait les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Et le roi dit, « Silence !» Et ce qui était auprès de lui sortirent. Et Huid l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été. Il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Et Glon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée du côté droit et lui enfonça dans le ventre. Voyez, et ne méprisez pas les gens. Ne méprisez pas les gens.
Ne méprisez pas les gens à cause de leur couleur, à cause de leur origine ou à cause de je ne sais pas quoi. Ne méprisez pas les gens. Parce que Dieu utilise qui il veut, comme il veut et quand il veut. Voilà Ehud, un handicapé. Il avait le bras droit qui ne marchait pas. Vous savez, en boxe, on dit la force, c'est le bras droit. Le bras gauche sert simplement à gagner des points. Bon, bien qu'il y a des gens qui frappent fort de gauche, il y en a qui frappent fort de gauche, mais le bras gauche en général sert à garder l'adversaire à distance, à marquer des points. Mais le bras droit, c'est là où il y a toute la force. Crochet droit, c'est là où il y a les chaos. C'est le crochet droit qui donne le plus de chaos. Mais imaginez-toi que cet homme-là avait ce bras droit handicapé. Ce bras droit handicapé. Donc, comme on dit, quelqu'un qui est né, qui n'a pas de chance. Dans le monde, on dit, on n'a pas de chance. Mais Dieu avait un plan. Dieu savait pourquoi cet homme-là était handicapé. Dieu savait, Dieu l'a utilisé. Et son handicap même était un avantage. Parce que lorsque Ehud est allé apporter un présent au roi, on a vu un handicapé. Le roi a fait confiance. Le roi a mis tout le monde dehors. Il dit, mais attends, un handicapé va me faire quoi? Il n'a qu'un seul bras. Je peux m'en occuper. Il ne sera pas capable de se battre avec moi. Il n'a qu'un seul bras. Même les gardes-corps du roi sont sortis. Vous voyez, ne vous plaignez pas. Il y a des femmes qui me suivent là. Tu te dis que tu n'es pas assez belle. Tu n'aimes pas comment tu es. Pour toi, ton visage est un handicap. Peut-être que tu es moins belle qu'une autre. Non, ne pense pas comme ça. Aime-toi tel que tu es. Dis, Seigneur, merci. Tu ne t'es pas trompé en me créant. Tu ne t'es pas trompé. Tu as fait de moi une belle créature. Peut-être je ne suis pas belle pour un tel, mais je serai belle pour la personne que tu as prédestiné pour moi. Alléluia. Je serai belle pour celui pour qui j'ai été prédestiné. Moi, je crois à la prédestination. Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Je crois que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es là ce matin en train de m'écouter. Ce n'est pas par hasard que nous sommes en train de discuter ensemble. Dieu a un plan pour toutes choses. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il faut que vous enlevez cet indice hasard. Mais nous allons voir comment est-ce que Ehud a pu vaincre. D'abord, Ehud a utilisé une épée à double tranchant. C'était une épée à double tranchant. L'apôtre Paul dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Autrement dit, c'est avec la parole de Dieu que Ehud a pu réaliser sa victoire. Vous voyez? Apprenez à utiliser la parole de Dieu. Même quand les gens vous voient comme handicapé, mais toi, tu te vois comme la parole de Dieu te voit. Il faut parler la parole. Il faut penser la parole. Il faut penser comme la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ne dis pas, je n'arriverai pas. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, pasteur. À mon âge, je n'arriverai pas. Vous voyez, c'est un langage diabolique. Ah, je n'arriverai pas. Je n'ai pas eu le temps de préparer les messages. Non, Jésus, qu'est-ce que dit la parole? Oh my God! Nous avons assez de voir les gens confesser la réalité, mais confesser la vérité. Arrêtez de nous saouler et de nous fatiguer avec toutes ces paroles négatives. Ah, j'ai pas eu le temps de préparer.
T'es dit la parole, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Vous voyez, moi je commençais à prêcher à l'âge de 13 ans. À l'âge de 15 ans, je prêchais. Jusqu'à 17 ans, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été pris au dépourvu. Parce que j'ai appris, lorsque Dieu ouvre une porte, j'ouvre ma bouche et Dieu la remplit. Là maintenant, je vous prêche. Je n'ai rien préparé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Le message que je vous donne là pendant une heure, je n'ai pas préparé. Je n'ai aucune feuille. Je n'ai rien préparé. J'ai ouvert ma bouche et l'Esprit a commencé à m'inspirer maintenant. Et hier encore, tous les jours, je vous dis devant Dieu, au nom de Jésus, je n'ai jamais le temps de préparer. Tous les jours, l'Esprit parle. Ouvre ta bouche, parle comme la parole. Parle comme Dieu. Arrête de parler comme un païen, comme un incrédule. Ah, je n'ai pas préparé, je n'ai pas eu le temps. Que dit la parole? Que dit la parole? Que dit Jésus? Ouvre ta bouche, je la remplirai. Quand tu seras devant le tribunal, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Ce que tu auras à dire, te sera donné à l'heure même. Oh my God. Je sens une colère sainte d'attendre des prédicateurs, des enfants de Dieu, aussi incrédules et abrutis, bornés par la chair, parlent comme des vulgaires païens. Pour les discours du monde, il faut être préparé. Pour les discours politiques, il faut être préparé. Mais avec les choses de Dieu, on doit marcher par l'Esprit. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui me révoltent à l'intérieur de moi. Ça me ronge, ça me révolte. Et je ne comprends pas pourquoi je ne supporte pas tant de telles choses. Moi, ça me révolte, c'est contraire à la Bible. Ah Seigneur, à mon âge, je ne peux pas. À mon âge, je n'arrive rien. Quel âge tu as, toi, à mon âge? Si le Seigneur te dit « cours », tu peux courir. C'est ta langue qui te vieillit. C'est ta langue qui te fatigue. À mon âge. À mon âge. Comme je dis hier, sur TikTok, Moïse avait 180 ans. Il n'avait pas perdu sa vigueur. Moïse avait 120 ans. Il n'avait pas perdu sa vigueur. Élie, le prophète Élie, était vieux. Vous savez ça? Le prophète Élie était un vieillard. Lorsqu'il a tué les prophètes des Baal, il a rencontré Akab qui était dans son cheval avec un chariot. Il a dit à Akab, cours vite car il va pleuvoir. Cours vite afin que la pluie ne t'arrête pas. Mais le vieillard prophète Élie, il a couru plus vite que les chevaux. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Élie a plus de 80 ans là, il s'est mis à courir. La Bible dit qu'il est arrivé avant Akab. Akab a pris son cheval, il a commencé à courir son chariot. Mais Élie, sous l'onction de Dieu, il a couru plus vite. Toi, tu es fatigué comme une mouche. Je lâche. Mais c'est le diable qui te met ça dans la tête. Tu as l'âge. Je connais une dame là qui a 80 ans. Une dame, et je crois que Mama Gigi peut confirmer, une centrafricaine, Mama Gigi peut confirmer, une prophétesse centrafricaine, à 80 ans, elle faisait les veillées avec nous, à Montréal, tous les soirs. La dame a plus de 80 ans, mais tous les soirs, elle faisait la veillée des prières, et elle priait plus que même, elle était plus vivante que même nous qui étions là. Le pasteur Talingano, maintenant il a plus de 80 ans. Vous le voyez prêcher? Le pasteur Talingano, je l'inviterai en Guadeloupe. Vous allez voir un vieillard de plus de 80 ans. Vous, quand il prêche, vous dites, mais non, c'est pas possible. Et le diable est en train de te bloquer, de te vieillir, de te ruiner. Et puis il te dit dans la tête que tu es vieux, tu as l'âge, tu ne pourras pas prêcher, tu ne pourras plus faire ça, tu n'as plus l'âge, tu ne peux plus apprendre. Et tu gobes tout ça et tu prends ce langage diabolique. Ah, bishop, il faut comprendre, j'ai l'âge, je suis fatigué, j'ai l'âge. Oh my God,
Que dit la parole? Que dit la parole, ma chérie? Dis-moi, pardonne-moi d'être dur avec toi. Que dit la parole, ma fille? Que dit la parole? Tu es vieille? Que dit la parole? Ceux qui craignent l'Éternel, se renouvellent leur force. Hein? Ils renouvellent leur force. Que dit la parole? Que dit la parole? Ne me dis pas ce que ta tête pense. C'est que le diable te dit. C'est que ta chair te dit. C'est que les hommes te disent. Que dit la parole? Je prie tout par celui qui me fortifie. J'ai 100 ans. Si Dieu m'a dit cours, je vais courir. Oui, je prie tout. Si Dieu m'a dit lève. Oh, je prie tout par celui qui me fortifie. Je peux être handicapé. Si Jésus me dit, lève-toi et marche, je vais me lever, je vais marcher. Parce que Dieu dit la vérité. Confessez la parole. Il est temps que vous appreniez à parler la parole, à penser la parole. Ayama, yama, 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 yama. Les hommes disent, c'est pas possible. Mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Les hommes disent, la situation est perdue. Mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Acho! Ayaka, baba, baba, baba. Oh my God, que Dieu nous aide. Ehud avait un seul bras. Bras gauche, le bras droit ne marchait pas. Mais il a dit, tout est possible. Ehud a confessé la parole. Ehud a marché sur la parole. Ehud a pris son épée, il l'a mis sur sa ceinture. La ceinture de la vérité. Il faut que la parole soit ta vérité. Il ne faut pas que les circonstances soient ta vérité. Ah, Bishop Eli, je me sens pas bien. Oh, my God, my God, my God. Une allégorie, une allégorie. Isaac, voyez, le verre d'Isaac. Isaac, s'est laissé tromper par ce qu'il sentait. Lorsque Jacob a pris la peau de mouton, il a mis sur lui, il est allé donner la viande à Isaac. Isaac était aveugle. Isaac a touché, il a touché la peau. Il a dit, ah, je sens la peau. Oh, je sens, mais il y a un problème là, il y a une confusion. Je sens la peau de Esaü, mais j'attends la voix de Jacob. Il fallait choisir. Crois-tu à la voix ou crois-tu à ce que tu sens? Crois-tu à ce que tu entends ou tu crois à ce que tu sens? Et Isaac a encore touché bien, il a bien palpé. Il a dit, mais ça c'est les poils, ça, il est poilu. Ça c'est la peau d'Esaü. Mais la voix là que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais voyez, Isaac a fait l'erreur. Il a préféré croire ce qu'il sentait que ce qu'il a entendu. Il a préféré ne pas croire à la parole. Il n'a pas cru à la voix. Il n'a pas cru à la parole. Il a cru à ce qu'il sentait et il a commis l'erreur. Il a béni Jacob à la place d'Esaü. C'est l'erreur que toi tu fais. Tu crois plutôt à ce que tu sens. Je sens la douleur. On m'a dit que je suis guéri par les maîtrisures de Jésus. Mais je sens encore la douleur. On m'a dit que le Seigneur m'est rajeuni. Mais je me sens encore vieux. Je me sens encore vieille. Je me sens pas bien. Je me sens encore fatigué. On m'a dit, mais Oh my God, confesse la parole, que la parole soit ta vérité. Peu importe ce que tu sens, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens prophétisent, peu importe ce que le médecin a dit, peu importe ce que les gens disent, confesse la parole. Je sens la peau d'Esaü, mais j'attends la voix de Jacob, j'attends la voix de Jésus qui me dit, je suis guéri par ces maîtrisibles, qui me dit, tout est possible à celui qui croit, qui me dit, invoque-moi, je te répondrai. Qui me dit, oh, je préfère croire la parole. Je vais faire comme Ehud, prendre la parole, le mettre sur ma ceinture de vérité, faire de la parole ma vérité, que la parole de Dieu soit vérité dans ma vie, que la parole de Dieu soit attachée à ma ceinture, que la parole de Dieu soit attachée à ma peau. Je déclare la parole, peu importe ce que je sens, je déclare que je suis délivré. Et déclare, même si je sens la présence des démons, oh my God. J'étais allé prier pour la maison d'une fille. Vous ne donnerez pas son nom à Marie Galante. Après avoir prié pour sa maison, elle m'a dit, Bishop Eli, est-ce que les démons sont partis? Bishop Eli, est-ce que c'est parti? J'aimerais savoir. Bishop Eli, j'aimerais savoir, est-ce que c'est parti les démons? Je lui ai dit, mais
C'est ta bouche qui va déterminer s'ils peuvent revenir ou pas. Déclare qu'ils ne reviendront plus jamais. Toi, tu me demandes si tu pourras dormir bien. Mais il te sera fait selon ta foi. Déclare qu'ils ne reviendront plus jamais au nom de Jésus. Mais elle me demande, est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette nuit, je pourrai dormir bien? Je dis, mais qu'est-ce que ce que ta bouche confesse et déclare? C'est extraordinaire. Des fois, je me dis, mais comment je ne prépare rien, mais le Seigneur me donne toujours des sujets tous les jours. Le Seigneur m'impressionne. Le Seigneur m'impressionne. Le Seigneur m'impressionne. Il est impressionnant, notre Dieu. Il est merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tout doux, je ne veux que toi, Seigneur. Tu es merveilleux, ton don, don, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, merveilleux, jeune. Aïe, kama hindo, aïe, amasaya, maba, yekaba, yotokoba, yaba. Irakama shiyama kama yotokoba. Iraba satakama yetekaba. Oh, je sens une puissance, une onction, my God. Kandolokoma yikababa. Hikababa. Hakaba sotokoma yaba. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur, fais-moi grâce. Des fois, je sens une onction tellement forte que j'ai, ça déborde, kaba, shikaba, kaba, hayakaba, hayakaba, hayalaba, sayaba, elamailo, kolomaya, baba, handala, baba. Je t'adore, Jésus. Crois en Dieu et crois en toi. Crois à la destinée de Dieu pour ta vie. Crois au plan de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas fini. Peu importe ce que tu sens, peu importe ce que les gens disent, le plus important, c'est ce que Dieu dit. Et la parole de Dieu dit, tu es plus que vainqueur, que rien n'est perdu, que tout est possible à celui qui croit. I'm gonna go get some more.